Vous êtes sur Radio Parole de Vérité, une station qui fait la différence dans le monde évangélique. Vous êtes sur la Radio Parole de Vérité, une station évangélique qui fait la différence. www.radioparoledevérité.com. N'oubliez pas de télécharger notre application sur Google et l'Apple Store. Évangélisation, éducation, une radio, parole de vérité, c'est la radio. Un jour, au rêve étrange, sublime vision, sous l'égide d'un ange, je m'enfuis à Sion. Là, tout près du portique, j'entendis des enfants. Ils chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges, oh, ces chants unirent leurs accents. Succéda. En chant suivit la trêve des joyeux hosanna. Le ciel devint livide, le soleil s'obscurcit. Sur un monde perfide, naissant la sombre nuit. Quand pour le roi du roi, l'homme élève. Bientôt Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux virent paraître tout un monde nouveau. Je vis la cité sainte et ses murs en cristal dans son. Nous savons en effet que si cette terre où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme
Oui, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Frères et sœurs et amis auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec parole Sayon de Corinthiens chapitre 5, commencé dans verset 1er, pour venir dans verset 2a, que nous entrons la caillou. Quel que soit côté, nous comptons pour nous rejoindre encore une fois. Nous bâillons bon Dieu gloire, nous disons bon Dieu merci pour fidélité à l'émission Kadosh. Jeudi, c'est 5 octobre 2018. Bon Dieu, fais-nous grâce. Nous ensemble sur les ondes de la radio Parole de Vérité. Le Seigneur permette que nous gagnions possibilité, toutes amies ensemble, pour nous réunir à Soya. Jean le Seigneur permette ça. Il dit nous gagnions bénédiction dans ça, parce que côté deux ou trois réunis dans nos lits, il a un esprit. Malgré que le câble sans le corps, mais il est présent en esprit. Le Seigneur est présent en esprit. Le Seigneur est absent de corps, mais il est présent en esprit. Donc nous disons bon Dieu merci et toutes les amis qui suivent nous, non seulement sur Radio Parole de Vérité, mais Radio La Voix de l'Évangile également, parce que l'émission ça en Haïti, mon côté à partir de Radio La Voix de l'Évangile 95.3 en Haïti. Donc émission Kadosh, son antenne Radio Parole de Vérité. Même monde qui est en Haïti, il y a une possibilité pour côté émission Kadosh avec Frère Wigo. Et chaque lundi, mercredi, vendredi, sur antenne Radio La Voix de l'Évangile en Haïti. C'est en Haïti, Radio La Voix de l'Évangélier, sur 95.3. Bon Dieu, fais-nous grâce, nous ensemble, sur www.radioparoledevérité.com et sur notre page YouTube, nous ensemble. Bon Dieu, fais-nous grâce. Et en pile, bagaille que nous déjà roué ensemble depuis l'émission a commencé. Et ça fait nous conseiller toutes amies à aller sur notre page YouTube Radio Parole de Vérité ou après toute émission passée. Yo. Parce que nous gagnons pratiquement 2 ans depuis que nous avons fait l'émission ça, mais nous commençons exactement et de manière régulière, c'est au cours de cette année, l'année 2018. Et nous bâillons bon Dieu gloire pour notre frère Yvan Samboise, qui était vraiment motivé, qui était vraiment intéressé, non, avec Madame Né, pour te faire émission ça, émission Kadosh, malgré que c'est pas facile, mais il était vraiment encouragé, non. Et nous dit bon Dieu merci pour yo. Et bénédiction, bon Dieu, va sur famille, hein, sur Timonio. Nous bâillons bon Dieu gloire, nous levons bon Dieu bien roi. Émission Kadosh sur antenne radio Parole de Vérité du lundi au vendredi. Nous ensemble sur la radio de la radio et Parole de Vérité. Donc nous ensemble pour nous partager l'enseignement de la parole de Dieu. Nous disons merci à tous les amis qui déjà voyez support yo pour aider nous dans question internet là. Donc 5 octobre là, jeudi là, bon Dieu fait nous grâce, donc nous arriver atteindre objectif là et nous dit bon Dieu merci. Et merci à tous les amis qui t'ont voyé support yo, qui aident nous arriver là. Et merci pour support by la émission qui permet que nous qu'on travail là jusqu'à cette présente minute. Donc le Seigneur permet que des amis aident nous et soutenir pour permettre que le travail soit capable de continuer. Donc l'heure émission béni au monde, bénédiction à les partager avec chaque monde qui contribuait et aussi avec aux mêmes amis auditeurs me connaît qui fidèles. Et parce que émission pas d'arriver venir joindre sans le sacrifice de ces gens-là, de ces personnes-là qui quittaient travail des fois, qui allaient bien loin. Est-ce que vous comprenez? Pour vos contributions, yo, et mais ensemble, nous
toujours arrivé pendant tout le temps que passé là-haut, nous arrivé Kembe, eh bien émission 1, et nous ouais comment que émission 1, toujours faite sans coupure. Et sous ta wagon coupure, mais connaît son problème technique, mais pas beaucoup de panneaux en Haïti, parce que nous avons internet de grande vitesse. Le Seigneur fait nous grâce par rapport à support que nous recevons dans mes amis auditeurs nous chaque mois, donc qui aide nous. Donc nous là pour le 5 novembre, Dieu voulant, si le Seigneur pas gata retourner, et nous pas jamais connaître qui jour le Seigneur a tourné. C'est ça qui fait que nous devons toujours parler comme ça. Si le Seigneur t'a d'avenir. Si le Seigneur t'a pris un petit temps pour le venir, c'est comme ça pour nous toujours parler. Si le Seigneur t'a pris un petit temps pour le venir, parce que nous avons tant côté que à tout moment le Seigneur est capable de faire apparition pour venir chercher l'église. Donc bien aimés frères et sœurs et amis auditeurs de la radio, parole de vérité, nous toujours conseillés, toujours été fidèles à l'émission Kadosh et partager l'émission pour plus monde béni. Et nous dit bon Dieu merci. Nous de temps en temps, gain. De nouveaux monde qui montaient sur page YouTube là, qui abonné à page radio Parole de Vérité, hein, qui gagnait application, hein, qui montaient sur téléphone, yo côté nous, parce que nous gagnons presque 4 groupes d'auditeurs. 4 groupes d'auditeurs jusqu'à 5. Nos grands groupes d'auditeurs, c'est sur YouTube, yo tendez, non. Bon, l'autre groupe, c'est sur radio Parole de Vérité, même, yo tendez, non. Sur récepteur radio Parole de Vérité, hein, et yo tendez, non, parce que radio Parole de Vérité, gagnons récepteur. Qui est disponible. Donc à partir de lui-même, dès que vous avez une connexion Wi-Fi, vous capable d'écouter l'émission 1. Et tout c'est top. Donc récepteur ça va permettre que vous écoutez nous à longueur de journée. Donc sans problème sur les ondes de la radio Parole de Vérité. Donc à soir, nous content pour nos jeunes amis. Vous connaissez toujours après veille de nuit, hein? Nous toujours permettre que vous écoutez l'émission, hein? Parce que vous connaissez veille de nuit chaque vendredi, veille de nuit avec Radio Parole de Vérité. Et puis vous avez une émission après veille de nuit, hein? À minuit. Donc vous avez une vous capable d'écouter le lendemain matin. Et notre frère Yvan Samboise qui font un travail infatigable, nous dit bon Dieu merci. Donc nous continuons à travailler pour la gloire de Dieu. Merci amis auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Même cap suivre nous pour la première fois. Émission ça, son émission de prière, une émission d'enseignement de la parole de Dieu. Et puis, pour aller une nouvelle émission pour les nouveaux-nés, pour les gens qui sont convertis. Émission ça, son émission qui pourrait permettre que c'est moi-même qui suis capable de permettre que vous tendez la parole de Dieu. Donc, des enseignements préliminaires de base. Des enseignements de base, les hommes fin qu'entrer dans l'évangile, comment pour marcher, qui sort ou effet, qui exigence l'évangile la faire. Donc, qui ça l'évangile la yé, comment, qui précaution pour prendre, mais ça qui vient sur retour, mais comment pour épargner. Donc, son émission d'enseignement pour les nouveaux-nés. Donc, dans le langage chrétien, nous comprenons ça, les nouveaux-nés. Même j'ai des assemblées qui ont une classe nouveau-nés. Nouveau-nés, c'est les gens qui font recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître. Baptisé et puis il y a une classe nouveau-né ou bien ils sont sur route pour baptiser. Donc c'est des nouveau-nés que vous avez. Donc nous avons une émission comme ça, une émission pour les nouveau-nés, pour les nouveaux convertis, les nouveaux convertis, les nouveaux convertis. Donc une émission pour les nouveaux convertis. Donc il y a des gens qui sont nouveaux convertis. Donc l'émission on va toujours vous le bali pour permettre que le bien instruit. Donc la durée est seulement 30 minutes. Donc côté que nous avons un point, un sujet dans chaque émission, et pour permettre que nous connaissions un pile bagaille, l'évangile, c'est le premier thème que pour nous débattre, c'est qui ça l'évangile. Léo dit l'évangile, à qui ça doit penser, c'est qui ça l'évangile. Raison d'être dans l'évangile, pour qui ça doit dans l'évangile, pour qui ça doit recevoir Jésus-Christ, sauveur maintenant. Donc c'est ensemble de points ça que nous avons pour nous. Dans l'émission, ça a fait pour les nouveaux convertis. C'est belle bagaille, les bon Dieu, a conduit un monde, c'est belle bagaille, les bon Dieu et les peuples. Est-ce que y a été fidèle avant même que les confier la terre promise? Vous connaissez moi avec vous avant même que le Seigneur font bagaille pour nous, avant que bon Dieu lever nous en dignité, avant que bon Dieu lui mène nous en position qui haut. Eh bien, tout ensemble,
de leçons, bon Dieu, à enseigner nous. Que tout ensemble, de formation, bon Dieu, ben nous. Mais oui, eh bien, les enfants d'Israël qui t'apprêtent à entrer dans la terre promise, le Seigneur t'est passé dans le désert ensemble avec eux pour t'être capable d'humilier eux. Et le Seigneur pral dit ça dans Deutéronome chapitre 8. Le Seigneur pral révéler, pral répéter Israël ça. Deutéronome chapitre 8, comme c'est depuis un verset 2, hein? Deutéronome chapitre 8. Et la parole de Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Donc pendant ces 40 années, le Seigneur fait un bagage spécial pour peuple Israël, là, pour le monde que le terre. Rad souyo, pas de jam usé, pas de jam chiré. C'est ça, texte dit nous là, Deutéronome, chapitre 8. Il dit que il t'a humilié, il t'a fait souffrir. Nous en verset 4, Deutéronome, chapitre 8. Il dit ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. La dessous yo pas jam chiré, soulier dans pied yo pas jam chiré. Yo pas jam fini, c'est bon Dieu. Alors, dans le langage spirituel, on appelle ça le brisement. Donc les enfants d'Israël, c'est le premier modèle de brisement que le Seigneur te ben non, parce que expérience petite Israël, yo expérience et mon hébreu yo. Yo c'est des exemples pour nous, yo c'est des types de la marche chrétienne, yo c'est des exemples que nous devons connaître. Le Seigneur, c'est comme ça, il va conduire tout le monde que l'irélé. Donc dans la marche chrétienne, dans la marche dans le désert, eh bien c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, donc le Seigneur te voulait enseigner, non? Parce que le Seigneur dit non, toutes ces choses ont été arrivées, ont été écrites pour notre instruction. Nous-mêmes qui vivons dans fin temps là, nous-mêmes qui vivons dans la génération ça. Donc c'est pour nous connaître que c'est pour instruction, non? Voilà que le Seigneur choisit un peuple et mettait la côté pour lui, selon promesse qu'il t'a fait. Il est arrivé pour le conduire peuple, libre peuple en Égypte. L'Égypte qui symbolisait le monde. L'Égypte symbolisait le monde avec tout ça qu'il a donné. Mais nous parlons de l'Égypte, nous parlons de l'Égypte au temps de la Bible, nous parlons de l'Égypte de l'Antiquité. C'est pas l'Égypte actuelle, mais l'Égypte de l'Antiquité. L'Égypte de l'Antiquité qui était réputée pour une grande puissance à l'époque. C'était une grande puissance à l'époque. Et l'Égypte à l'époque des pharaons. Et puis le Seigneur prend peuple en Égypte. Elle conduit peuple. Alors regardez l'Égypte qui te représentait le monde. Le monde, et parce que en Égypte, il t'a fait toute vie bagaille, il t'a fait toute vie corruption, il t'a fait toute vie abomination, la magie, l'inceste, toute bagaille, ça a existé dans l'Égypte antique. Et même des recherches prouvaient que, eh bien, on t'a gagné en pile dérives sexuelles en Égypte, surtout à l'époque de Ramsès II. Donc, nous connaissons, et bien aimé dans le Seigneur, l'Égypte, il représentait le monde. Le monde. Maintenant, les Ophines quittaient l'Égypte, ils ont gagné la mer Rouge, ils ont traversé. La mer Rouge, qui c'est gros engagement que ont quitté l'Égypte, vrai, parce que la mer Rouge était entre le désert et l'Égypte. Donc, il fallait traverser la mer Rouge pour être capable d'engager dans le désert. Donc, il n'y a pas de l'autre route que tu es capable de passer. Donc, il a fallu que tu traverses la mer Rouge.
la main rouge pour te traverser. Eh bien, la main rouge, la main rouge représentait le baptême d'eau, qui est un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est ça, la Bible dit nous dans 1 Pierre 3, verset 21. Donc, c'était une figure du baptême. C'est un type. Donc, les enfants d'Israël traversaient la mer rouge, ils baptisaient dans la mer rouge. Ils ont pris engagement pour quitter l'Égypte totalement. De même aussi, les gens quittaient le monde, les gens convertis, ils viennent joindre le Seigneur, ils quittaient l'Égypte, ils traversaient la mer rouge. C'est signe que maintenant, les gens donnent dans le monde encore parce que ils traversaient la mer rouge, ils baptisaient dans de l'eau. Bon, on va remarquer que les filles traversaient la mer rouge, ils vont rencontrer des difficultés qui pourraient le faire. Ils pensaient que pour qu'ils ne savent pas traiter mourir en Égypte, ils regrettent que tu prennes la direction du désert, que tu suives Moïse. Donc, lorsque ils finissent traverser la mer rouge qui symbolisait le baptême d'eau qui est un engagement de bonne conscience envers Dieu, nous dit apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Eh bien, gagnant l'autre leçon ça que bon Dieu va enseigner, et c'est une leçon qui dure longtemps, c'est une leçon que bon Dieu va enseigner nous tout au long de marche chrétienne. Ça que relève le brisement. Le brisement qui est un temps d'humiliation, qui est un temps côté que bon Dieu le créateur pour le refaire. Il changeait toutes sortes de recevoir comme formation dans le monde, toutes sortes de mentalité. Bon Dieu renversait, bon Dieu formait. C'est ça, il est la nouvelle naissance. Bon Dieu créateur, il faut faire ton autre foi parce que pas une possibilité pour le réparer. Parce qu'on comprend, péché tellement dénaturé l'homme, péché tellement fait l'homme et aveugle fait l'homme pas bon, et bien pas une possibilité pour l'homme non de changer. Parce qu'on comprend, pas une possibilité non pour réparer l'homme non. L'homme non c'est mourir, pour le refaire une autre fois. Et c'était ça le Seigneur te dit Nicodème dans Jean chapitre 3. Il te dit Nicodème que, et bien si vous besoin sauver, c'est pour faire une autre fois. Vous faites une autre fois. Et Nicodème te dit, mais grosse, je suis arrivé là. Est-ce que je vais retourner dans votre maman, moi? Encore? Et puis le Seigneur dit, monsieur, grosse, docteur, t'as quoi pas connaître les bagages, ça? Et puis le Seigneur dit, monsieur, que même j'en vais souffler, ou pas qu'on goûte le sorti, qui goûte le pralé, et bien c'est comme ça, mon qui est né de nouveau à hier. C'est comme ça lié. C'est garder, il naît de nouveau. C'est garder, bon Dieu, changer la vie. Li. C'est garder, il ouais, garder ces deux bagailles qui pas intéressé encore. Maintenant, processus de la nouvelle naissance. Disons, bon Dieu, commencer la nouvelle naissance dans la vie au monde, c'est à partir de ça, relais le brisement. Donc, c'est à partir du brisement que bon Dieu commence le processus nouvelle naissance. Là, le brisement. Au songer que l'Éternel te fait Jérémie descendre la caille potière pour Jérémie te apprendre ça qui relève brisement. Parce que les enfants d'Israël, pendant que dans le désert, bon Dieu a enseigné le brisement, il y a pourquoi j'aime saisir toute leçon bon Dieu a enseigné. Et malgré à la fin de ces 40 années, le Seigneur oblige à rappeler dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, il dit au concert, alors depuis le verset 2a, Deutéronome chapitre 8, commencé depuis le verset 2a, il dit au concert, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Notez bien, la parole de Dieu fait nous connaître dans le verset 3. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc le brisement, c'est ça, bon Dieu, t'a enseigné. Le brisement, c'est un temps côté que bon Dieu crase et nous pour le refaire, non. À l'image du potier, dans Jérémie chapitre 18. Dans Jérémie chapitre 18, le Seigneur fait Jérémie descendre la caille potière pour lui voir comment que le Seigneur a brisé
Amen. Comme un potier a brisé vase là, chaque fois elle fait li, li ou elle pas bon, li pas dans sens li, li crase li ou fait li. C'est comme ça mon Dieu fait non. Le nous fait vinn joine pour li garder. Est-ce que nous croyons vraiment? Li permet des situations difficiles dans vie non. Li permet que nous rencontrons pile épreuve pour le capable des fois humilier nous craser orgueil non. Comprenez bien les enfants d'Israël, le Seigneur dit au ça dans verset 3 de Théonome, chapitre 8, verset 3. Le Seigneur dit au consent, il t'a humilié, le Seigneur t'a humilié, le Seigneur t'a humilié, le Seigneur t'a humilié. Pendant le brisement, c'est un temps d'humiliation. Le Seigneur humilie pendant que la brise. C'est très dur. Période ça dans la vie, quel que soit mon nom, un temps d'humiliation, un temps d'humiliation. Mais on connaît, après ce temps d'humiliation, après ce temps de brisement, bon Dieu fait de haut un vase d'honneur. Après que bon Dieu finit brisé, il a fait de haut un vase d'honneur. C'est ça qui fait que Salmis l'a dit dans Psaume 119, verset 71. Dans Psaume 119, verset 71, Salmiste l'a dit comme ça, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Vous entendez? Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, verset 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Le bon Dieu humilie, c'est une grande leçon à enseigner, c'est former la former. C'est ça qui fait que, quand il nous a malheureusement dans la vie, ça, bon Dieu choisit, quitter nous passer par des chemins difficiles, il choisit que nous rencontrer des épreuves, il choisit que pour le former nous à travers des situations de la vie que nous rencontrer. Mais des fois, au lieu de nous apprendre force, nous préférons pleurer, nous ne pensons moins que c'est la main de Dieu qui a formé nous. Des fois, bon Dieu brise nous à travers une maladie. À travers une maladie, bon Dieu décide de briser nous pour le retirer calcaire sur nous, pour le retirer vieille gomme qui sur nous, que le monde mette sur nous, pour le retirer eh bien, tout ça qui va bon à nous. Le Seigneur décide de briser nous. Des fois, le Seigneur qu'on décide de briser nous dans la vie de tous les jours. Côté que toute bagaille ça s'est fermé devant nous, la vie n'est pas facile du tout pour nous. Malgré n'a prédit en pile, malgré n'a prédit avec en pile détermination, nous prenons plusieurs jobs juste pour que nous capables et aller mieux. Mais la vie n'est pas facile du tout pour nous. Des fois, bon Dieu, qu'on essayait briser nous à travers mariage, nous également. Pour bon Dieu, ouais, niveau de fidélité, non. Bon Dieu fait permettre que nous rencontrions un pile moment difficile, un pile nuit difficile, côté que nous t'avons même voulu divorcer, nous t'avons voulu même séparer, quitter ça. Mais c'est le Seigneur qui a brisé nous. Il a brisé nous parce que le fait de nous un instrument en main. C'est le Seigneur qui a mis nos camper parce que il voulait voir niveau de conversion nous et niveau de crainte que nous gagnons pour lui. Est-ce que nous t'a dit pour le meilleur et pour le pire, est-ce que nous respectons ça? Est-ce que la note dit devant Dieu, moi promets, moi engager ensemble avec vous jusqu'à ce que la mort sépare moi. Est-ce que mon Dieu a regardé, est-ce que vous avez crainte pour parole ça, est-ce que vous respectez moi? Et non, bon Dieu brisé, non, non, finance, non. Même genre les enfants d'Israël, le Seigneur prend une direction avec les côtés finance, pas de vaut rien, l'argent pas de vaut rien, l'argent pas de café rien pour lui. Et non, bon Dieu brisé, nous comme ça également. Malgré nos gains possibilités financières, mais ça nous gagne l'argent pas qu'à résoudre. Ça qui a fait nous pleurer, l'argent pas qu'à résoudre. Ça qui mettait chagrin dans le cœur, nous, l'argent pas qu'à résoudre. Oh, ça qui a tristé, nous, malgré nous, nos bons jobs, c'est vrai. Malgré nous faire, nous gagne de grandes rencontres sociales, nous gagne pile contact, pile relation, mais il n'y a pas qu'à faire rien pour nous. Parce que c'est seulement bon Dieu qui est capable d'agir dans le dossier ça, dans la circonstance ça. C'est une forme de brisement. C'est une forme de brisement. Mais c'est pour toujours qu'on est que bon Dieu n'est pas brisé mon gueule par elle. C'est tout le monde que le relais, c'est tout le monde que le mettait à part pour lui que le briser.
Le monde pas jamais connaît le brisement. Pour qui ça? Parce que le monde n'appartient pas à Dieu. Le monde ne connaît pas le Seigneur. Le monde n'est pas pour le Seigneur. Il pas connaît le Seigneur. Donc le Seigneur pas jamais permettre que il connaît le brisement. Les enfants d'Israël qui étaient un peuple choisi par le Seigneur, pour qu'à faire connaître non li devant les rois de la terre, devant les grands de la terre. Les enfants d'Israël qui étaient doués porter le message du royaume, eh bien le Seigneur t'est brisé yo. Mais au fond pile yo en brisement que on même on pas doué faire. Pendant brisement, les enfants d'Israël parlaient mal en pile. Ils parlaient mal en pile. Quand côté ils arrivaient, ils dit Moïse comme ça pour qu'ils savent pas te mourir en Égypte parce que c'est cimetière qui pas gagné. Est-ce que c'est cimetière qui pas gagné? Pour qui ça nous pas de mourir en Égypte? Au matin au lever, la parole de Dieu dit non. Le peuple a levé, il a commencé à chercher Moïse compte dans Exode chapitre 16, à partir du verset 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande. Est-ce que vous entendez ça? Les enfants d'Israël dit là dans Exode 16, verset 3. Alors prenez puis dans verset 2a. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous pas morts dans la main, par la main de l'Éternel en Égypte? Pour qu'ils n'ont pas mouru, pour qu'ils n'aient pas tué nous, pour qu'ils n'aient pas tué nous en Égypte. Hein? Et puis il dit, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain assiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Est-ce que vous entendez? Manger, vous pas de jeune pour manger, mais vous pas de jeune connaître si son épreuve. Bon Dieu t'a passé, si ton brisement, bon Dieu t'a baillé. Et dans Deutéronome chapitre 8, là, on voit que le Seigneur dit, moi-même des fois souffrir la faim, même des fois connaître grand goût, pour te éprouver. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, de la soif. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Mais pendant qu'il apprend là, il n'y a pas compte si c'est le brisement de Dieu. De même aussi, moi-même avec vous, le Seigneur a brisé nous des fois qu'on ne parle mal, nous qu'on oublie si c'est mes bon Dieu qui sont nous. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères. Les enfants d'Israël, dans Exode 16, les t'as plein, les enfants d'Israël, t'as dit Moïse avec Aaron, pour ça, l'Éternel va tout nous, l'un des bons côtés pour viande, l'un t'as mangé pour manger en Égypte. Même pas manger de tous les jours, mon Dieu qui a décidé de briser. Il y a un jour où tu as consommé, il y a un jour où tu as mangé, à cause de moyens financiers que tu as gagné, tu es dans le monde, tu as mené en vie. Eh bien, l'ovine dans l'évangile là, ça qui arrive, bon Dieu, décide par son nom épreuve pour manger c'est avec un pile de difficulté, parce que moi, on ne pas permettre ça. Il y a une bagaille pour le monde, pas j'aime peur, l'ovine entrer dans l'évangile là, l'ovine converti, puis go j'aime peur, tomber de haut, le soutien en l'air pour tomber, parce que c'est là, bon Dieu, prêt là avec corps. Pas comprendre que ou entrer dans l'évangile là avec toute possibilité yo, parce que quand pile monde qui conduit que eh bien la fin fait toute l'argent doit faire dans le monde, la fin riche dans le monde, après ça la converti. Écoutez, quel que soit niveau de richesse qu'on t'arrive sans bon Dieu, quel que soit atteint niveau t'as atteint, juste pour que on mette en sécurité financièrement, bon Dieu peut prouver. Bon Dieu peut prouver. Ah oui, bon Dieu peut prouver. Ya, bon Dieu peut prouver. Bon Dieu a payé pour vous. C'est ça qui fait que grand pile le monde qui part entrer dans l'évangile, c'est parce que vous perdez le brisement. Et le brisement, le Seigneur passe nous toutes la donne que le reconnaître pour petite. Bon Dieu peut-être capable de briser nos finances, nos finances, mais bon Dieu briser dans l'autre situation, que finance pas qu'à faire rien pour, finance pas répondre avec lui.
Le Seigneur brise tout le monde, que le remède tout le monde limité à part pour lui. Donc c'est pendant la période de brisement où on reconnaît le bras de l'Éternel. C'est pendant la période de brisement où on fait connaissance avec bon Dieu. Et ça fait grimper le monde qui va jamais connaître bon Dieu. Il y a l'église, mais malheureusement, ces gens-là n'ont aucune expérience avec le Seigneur. Parce que ces gens-là n'ont jamais été brisés par le Seigneur. Donc, ça vient de faire que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce que pour avoir la crainte de Dieu, faudrait-il que vous gagniez le brisement. Faudrait-il que le Seigneur t'ait brisé. Parce que c'est dans le brisement où on va prendre la crainte de Dieu. C'est dans le brisement, c'est le bon Dieu brisé qu'on y aura bien la crainte pour lui. Psaume 119, verset 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Bon Dieu brisé petit lit, bon Dieu débrisé mon que les relais. Les enfants d'Israël n'ont pas comprendre ça. Non, vous n'êtes pas capable de comprendre ça. Nous avons tourné tout à l'heure et pour nous capables de continuer avec le même mot brisement. Donc, je dis à la, c'est sur les nouvelles attirer attention, nous satisfaire que nous, pour nous connaître les bons dieux brisés, nous, pour nous pas parler en pile, pour nous pas plaigner. Si ça nous prend ensemble, tout est vrai que nous pas doué faire, afin que brisement capable de finir bonheur, pour brisement capable de pas prendre temps. Bien que à chaque nouvelle dimension, le Seigneur réserve un brisement. Depuis bon Dieu parle bon nouvelle dimension, bon brisement pour vous. Donc, après ça, après pause là, nous tenons tout à l'heure sur la zone de la radio. Parole de vérité, nous tenons tout à l'heure. Brise-moi, c'est belle musique ça. Nous sommes auditionnés ensemble, amis auditeurs de la radio. Parole de vérité, nous content et nous dit bon Dieu merci. Donc nous continuons toujours avec étude non. Donc je dis c'est spécial, nous avons un point qui c'est le brisement. Le brisement, donc nous avons expliqué comment que les bon Dieu rencontrés avec un monde. Le bon Dieu réléon, le monde vient converti. Mais comment marche chrétienne n'y est, et nous te prêts exemple. Les enfants d'Israël pour la traversée du désert, donc l'exode, le passage de la mer rouge. Donc nous te attire attention sur marche chrétienne non, à travers la vie, les expériences dans le désert des enfants d'Israël. Maintenant, l'Éternel pourrait le faire Jérémie, vivre une expérience dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18, le Seigneur pourra le faire. Jérémie vivait une expérience. On te apprend à partir du verset 1er. Jérémie chapitre 18, verset 1er. Il dit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Jérémie dit, verset 3, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Verset 6, oui, Jérémie 18, verset 6. Est-ce que je ne suis pas capable d'agir, même Jacques Potier, ça? Alors, pendant toute ma show, pendant toute expérience, les enfants d'Israël ne voulaient jamais comprendre que à chaque nouvelle dimension que bon Dieu a baillé au monde, il y a un brisement pour le barreau. Bon Dieu va le révéler à serviteur Jean dans l'île de Patmos. Il va le bali les révélations de la fin des temps, ça que nous relève la Bible Apocalypse. Il va le bali les révélations de la fin des temps, mais il a fallu que Jean prenne un brisement. Un brisement, arrestation dans l'île de Patmos. Et c'est dans l'île de Patmos que bon Dieu t'a révélé Jean Sagin pour vivre dans la suite des temps. Mais Jean pas me connaît si c'est là rendez-vous a été cassé. Même Jean, le Seigneur pour lui révéler nous quelques bagages que nous pas connaît. Nous toujours compris pour nous payer pour ça.
Mais oui, nous toujours compris des preuves pour nous payer. Bon Dieu, pour toujours utiliser bouche, nous pour toujours utiliser main, nos pieds, nos yo. Nous compris pour nous payer pour ça. Nous compris pour nous payer pour ça. Nous compris pour nous prendre pour ça. Parce que bon Dieu va utiliser tout le monde. Bon Dieu va utiliser n'importe qui. Tout le monde prend initiative pour parler dans nos bon Dieu. Mais ouais, attendez ça vous dit, pas gain la vie là-dedans, parole là sans grâce. Ou pas jeune la vie dans parole là, malgré que c'est répété ou répété, ça y ouais des fois dans Bible mais sans grâce. Pour qui ça? Parce que mon ça y pas brisé par le Seigneur. Mon ça y pas vivre aucune expérience avec le Seigneur. Requête prière yo, pas gain goût, requête prière yo, li fade. Pour qui ça? C'est des hommes peut-être qui t'ont mon affaire, les mêmes tout, les grands désirs pour le faire, les faire. Et gain monde qui annonce Christ par folie. Est-ce que vous comprenez? Il annonce Christ par folie, mais c'est pas mandat recevoir pour ça. Eh bien, Jean, pour Jean, t'es capable de recevoir révélation fin temps, Apocalypse. Il a fallu que Jean t'est tombé dans l'île de Patmos. Et dans l'île de Patmos, il était balayé en arrestation et puis exilé dans l'île de Patmos, côté où t'es connu tout gros criminel. Le Seigneur n'était pas absent. Le Seigneur était là. Le Seigneur t'a observé. Le Seigneur compte toute bagaille. Parce que une bagaille pour mon Dieu dit nous. C'est dans le désert l'aller ensemble avec nous pour lui enseigner nous. Vous songez ça dans l'histoire de Osée, côté que l'Éternel dit Osée, moi chercher tout moyen pour me parler avec Israël, m'pa ka joine ni m'pa la tirer li dans le désert et là m'a joine cœur li dans Osée chapitre 4, Osée chapitre 2 verset 14. Osée chapitre 2 verset 14, il disait pourquoi? Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2 verset 14. Des fois quand nous bagaille bon Dieu veut dire non pour jeune non gain attention soutenu pour lui, c'est non dans situation le mettait non, c'est dans circonstances difficiles que lui placer non et lui permettre que arriver. C'est peut-être pendant un gros vent souffler comme ça et puis bon Dieu décide de parler avec non. Même genre, ça t'est arrivé pour Job. La Bible dit non, au milieu de la tempête, l'Éternel parlait avec Job. Au milieu d'une grande tempête, l'Éternel parlait avec Job. L'Éternel parlait avec Job. Oui. C'est nommé ton gros tempête. Nous, bon Dieu parler avec nous. Mais nous pas comprendre. Non, nous pas comprendre. Langage bon Dieu utilisé pour lui parler avec nous et moyen l'utiliser yo pour lui joindre attention non. Donc nous songer l'histoire de Job hein. Dans Job comment que L'Éternel parlait avec Job dans aller dans Job chapitre 40. Job 40 verset 6. Il dit l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit: Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ouais, côté bon Dieu, elle répond Job. Dans mi temps tempête là, bon Dieu parler. Tu t'apprends depuis dans Job chapitre 38. Côté que l'Éternel parlait avec Job dans verset soit les verset premier. Le dos l'Éternel parce que Job parle en pile, il parlait. Dans Job t'apprend brisement oui. Et Job parlait. Et puis dans Job 38 verset 1er, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Donc bon Dieu qu'on décide de placer nous dans la tempête pour qu'à parler avec nous. Et nous on ça, bon Dieu qu'on place nous dans le désert pour parler avec nous. Il n'est pas facile pour bon Dieu mettre nos chita sur un trône pour parler avec nous.
Tout le monde, bon Dieu, parler avec vous souvent, c'est des mondes, bon Dieu, capter attention par des situations. L'apôtre Paul, l'Éternel, te permet que vous échappez dans la chair, l'apôtre Paul. Il dit, il m'a été mis dans ma chair une échade. Il met ton échade dans la chair, moi, hein, afin que moi pas. Afin que moi pas orgueilleux à cause de l'excellence de don que le débat m'a. Mon Dieu, te mettez dans le corps Paul, yon échade, à cause de comment le Seigneur t'a utilisé Job, alors t'a utilisé Paul. Donc pour Paul, pas t'enfler d'orgueil, le Seigneur te permet de yon échade dans le corps, yon bagaille qui t'a fait souffrir. Et serviteur Paul, relate ça dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, dans verset 7 là. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je n'ai jamais dit à un monde qu'on aura une grâce pour parler de bon Dieu. Un monde qu'on aurait que bon Dieu utilise en pile. Bon Dieu, les paroles sont dans la bouche, les sanctifier, les bénir et les édifier, les gens qui ont été. Mais les gens ne connaissent pas qui prie ou payer. Ils ne connaissent pas qui sont sortis avec bon Dieu. Ils ne connaissent pas les cours prendre mes bon Dieu. Ils ne connaissent pas les leçons prendre mes bon Dieu. Ils sont jaloux de grâce pour nous donner. Parce que les gens, même si ils imitent, ils ne peuvent pas assembler avec lui. Pour qui ça? Parce que son monde, bon Dieu, formé avec main. Son monde, bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait comme ça. C'est pas pour dire que son côté est allé au formel comme ça, non. C'est bon Dieu qui prépare ses serviteurs. C'est bon Dieu qui prépare ses servantes. Faut faire très attention. Peut-être qu'à imiter pour parler même genre avec lui, pour prêcher même genre avec lui. Jamais mon frère. Ou pas jamais parler même genre avec Frère Taylor. Parce que Frère Taylor, t'es compris, il t'est payé. T'es compris, il t'est payé. Oui, ou pas jamais parler avec Frère Intel encore. Parce que le compris, il t'est payé. Que ou même peut-être ou pas même connaître qui prie le dépayé, que peut-être ou même beaucoup même prêt pour ta payer ce prix. T'as un serviteur de Dieu qui était très brillant à l'époque, les bon Dieu t'a utilisé l'empile. Et jusqu'à présent, ses écrits fascinent la vie des gens. Et son nom, c'est Watchman Nee. Watchman Nee. C'est un grand serviteur de Dieu. Et ce sujet, ça que nous attire attention là. Il écrit un livre sur ça, le brisement de l'homme extérieur pour la libération de l'esprit. C'est un très bon ouvrage que nous conseillons acheter ou même aller sur internet, aller sur Amazon ou bien sur l'autre librairie chrétienne en ligne. Tapez le brisement de l'homme extérieur ou bien tapez Watchman Nee après tout ouvrage lié. C'était un frère chinois que bon Dieu était qu'on utilisait en pile. Et bon Dieu utilisait en pile dans la Chine communiste. Mais on connaît, il a dû payer un grand prix. Il a dû payer un grand prix. Il a été emprisonné et c'est pendant l'emprison qu'il a écrit de très bons ouvrages pour le Seigneur. C'est pendant l'emprison, bon Dieu parlait avec lui en pile. Bon Dieu attire attention. Bon Dieu balance pile révélation parce que bon Dieu pas confié révélation à n'importe qui. Qui sacrifice, qui prie ou paye pour que gagne des bagages ou t'as d'accord, bon Dieu révélé. Qui prie ou paye. Parce que quel que soit monde, bon Dieu a parlé dans lui. Quel que soit monde, bon Dieu a révélé de grandes choses. D'abord, monde ça a été subi le brisement. Bon Dieu a été baissé au bien bas. Bon Dieu t'a cassé, yo. Bon Dieu crasé, yo, pour le refaire, yo. Et ça fait peut-être ou même, ou son monde, bon Dieu, pour l'utiliser en pile. Mais bon Dieu, faut reconnaître en pile brisement. À travers peut-être humiliation qu'on recevait dans la vie, ça. Peut-être à travers hypocrisie, les hommes qu'on blessé par eux-mêmes. Peut-être à travers trahison les hommes. Complot au fait sourd, c'est briser mon Dieu brisé. Comment que tout campé contre eux-mêmes, mon Dieu brisé. Côté que mettez toutes vieux dossiers sous dos, vous dites toutes vieux paroles de vous. Sans vous mettre un bagage, qu'on ait bagarre comme ça, c'est briser mon Dieu brisé. Parce que bon bagarre, mon Dieu veut révéler. Bon révélation, mon Dieu baou. Bon mot, mon Dieu dit. Et puisque mot ça, bon Dieu pas qu'a dit ou li parmi la foule, bon Dieu pas qu'a dit ou li nan festin, bon Dieu pas qu'a dit ou nan cœur content, c'est à nan de l'eau dans yeux pour bon Dieu dit ou li. C'est à travers une circonstance qui prend sommeil pour bon Dieu parler avec vous.
Oui, c'est à travers une circonstance qui prend sommeil. C'est à travers une circonstance qui fait que ou pas qu'à manger ou à réfléchir toute la sainte journée. Parce que bon Dieu voulait parler avec vous. Parce que bon Dieu voulait faire de vous un instrument dans main. Bon Dieu voulait utiliser vous. Bon Dieu a une grâce lui déposer dans la vie. Et ça fait le passer par le chemin du brisement. Oh, apôtre Paul te dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, là, il dit que pour que me pas enflé d'orgueil, pour me pas orgueilleux, le Seigneur m'étant échappé dans la chair, moi. Dans verset 8, là, il dit comme ça que moi prié 3 fois pour mon Dieu éloigner de moi. Le Seigneur répond, moi, il dit, Paul, grâce moi suffit pour vous. Puissance m'est accomplie dans faiblesse. Puissance m'est accomplie dans faiblesse. Des fois, mon Dieu faiblit nous, mon Dieu affaiblit nous. Pour que puissance l'ait manifesté dans nous. Des fois, bon Dieu, pas ben nous très bonne image de soi. Des fois, bon Dieu, pas quitter nos apparences pour que, eh bien, volonté l'a capable accomplir dans la vie. Non? Parce que bon Dieu, pas dans one man show avec personne monde. Bon Dieu, pas dans showbiz avec personne monde. Avant que le médecin vitel campé. Avant même que le médecin vitel campé, l'y brise l'y. Pour le mettre dans la forme que le vlea. Pour le mettre les gens l'y vlea. Avant que le médecin vente l'y campé. Oh, les briser les pour mettre la forme que le doit hier. De Corinthiens chapitre 12, commencer dans verset 7 là pour arriver dans verset 10. Apôtre Paul dit, il fait expérience et chat là, brisement, bon Dieu, les briser nous, bon Dieu, les passer par des situations avec nous pour nous capables parler dans nos lits. Pour nous capables de dire ça, dit nous dit, de former caractère nous, de former nous avant même que le Seigneur lui parle dans nous. Sa vie de Watchman, pendant qu'il est en prison, bon Dieu, il a une grande révélation, il a écrit un pile livre. Et puis, Watchman, il a pensé que bon Dieu a mis le dehors en prison, hein? Et puis un jour, bon Dieu parlait avec lui, il fait le connaître, c'est là, la fini, mandat, la fini. Sa vie de Watchman, donc il passait. Et en pile temps en prison, parce que lorsque le Seigneur a été relé, après 30 ans de ministère, et il est fait en 1903, et puis arrivé en 1952, lorsque le communisme fait apparition en Chine, et bien il a commencé à avoir une persécution. Il n'y a pas de blé ouais chrétien, parce que Tevin voulait que c'est Bouddha pour que tout le monde soit vénéré. Et bien, en 1952, il a pris l'arrêté Watchman Nee et il a mis en prison, condamné à 20 années de prison. Et puis en 1956, le Seigneur a pris révélé que serviteur ça, c'est là, mandat a fini. Et vraiment vrai. Et en 1972, serviteur a mouru pendant qu'il était dans travaux forcés. Il est mort pour la gloire de Dieu, il est mort comme martyr. Et une livre qui est très célèbre, c'est le brisement. Le brisement, c'est une livre célèbre que les gagnants. Et bon Dieu t'a utilisé en pile en Chine pour que l'évangile soit capable de prêcher. Alors nous devons connaître bien aimé dans le Seigneur, nous-mêmes qui avons servi bon Dieu, il y a toujours un prix à payer. Nous-mêmes qui voulons marcher avec le Seigneur, il faut nous toujours connaître que à chaque fois bon Dieu a utilisé nous dans la dimension qui est. C'est pour nous connaître que, eh bien, grand pile prix nous sommes capables de payer. Nous devons toujours prendre courage, prendre force. Parce que nous sommes le monde, bon Dieu. C'est normal que quelque chose est arrivé pour y arriver. Parce que nous sommes instruments, bon Dieu. Bon Dieu a servi avec nos ennemis, pas dormir. C'est normal. Persécution a venu, c'est normal. Les bon Dieu décidé de passer dans l'autre dimension avec nous. Il est toujours un brisement le passé, non. Il est toujours un côté le conduit, non. Il est toujours un l'eau dans les yeux, il permet qu'il arrive. Il est toujours permettre que un bagaille qui prend sommeil, non. Un bagaille que nous la donne juste pour que le regard nous capable de fixer sous lui. Même j'apporte Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit j'ai prié 3 fois le Seigneur. 3 fois j'ai prié le Seigneur. De Corinthiens chapitre 12 verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il répond moi ma grâce te suffit. Brisement est important pour tout le monde que bon Dieu mette à part. Brisement des pour bon Dieu tout bon, les pour venir joindre bon Dieu. Bon Dieu mette toi à part, vous son instrument mais bon Dieu, on connaît lui. Soit pas qu'on est dans le ministère ou pas qu'on est dehors, soit pas qu'on est dehors, mais on connaît la dans situation quel
qu'on quand même, parce que c'est à travers lui-même, bon Dieu humilié nous, bon Dieu crasé orgueil nous, bon Dieu retirer ça qui barbonne en nous pour mettre nos nouvelles dimensions. D'un monde disposé, oh, quel que soit côtoyé, bien-aimé dans le Seigneur, ou même bon Dieu a brisé, bon Dieu a brisé. C'est pour prendre force, oh, c'est pour d'accord. Même Jean Routier a dit dans somme, serviteur a dit dans somme 119, verset 71, il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne à tes statuts. Que révélation, mon Dieu, baro, c'est à travers le brisement. Et bagaille, bon Dieu, révélé, c'est à travers yon bagaille qui rive. Bon Dieu, montre aux dimensions, capacité. Est-ce qu'on comprend? Donc, prends force dans bon Dieu, prends courage dans bon Dieu et continue à marcher. Nous allons prier avec vous tout à l'heure. Sombre et brisant,
Gloire à Dieu, amen, amen, dans de verts pâturages. C'est belle musique, ça, nous saute bénis avec les frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Ou même cap côté nous, quel que soit côté, nous prêler dans la prière ensemble. Après un mouvement de saignement, ça, que nous souhaitons gagner ensemble sur le brisement. L'important pour nous faire prière, ça, pour nous demander bon Dieu, briser nous, pour nous demander bon Dieu, effacer ça qui pas bon dans nous. Et pour bon Dieu, fais nous grâce. Que nous capables prendre forme que les vle que nous prend. Amen. Nous pour aller dans la prière. Seigneur ensemble, bien-aimés dans le Seigneur et amis auditeurs de partout, nous pour aller prier et pour aller faire prier ça pour bon Dieu fortifier, pour bon Dieu bon obéissance, pour bon Dieu l'ouvrir yeux. Il faut comprendre que c'est mal qui sort, c'est lui qui a brisé pour que les capables faire de vous saliver. Même j'en ai conduit Jérémie dans la maison du potier dans Jérémie chapitre 18 pour le faire Jérémie vivre l'expérience. Comment que potier li prend et patte là li brasser li fait en premier vase li pas remet li fait en deuxième fois et dans verset 6 là Jérémie chapitre 18 verset 6 l'Éternel t'a dit Jérémie est-ce que me pas gain droit faire comme ça tout bon Dieu quand décide briser non pour li refaire non c'est pour nous d'accord nous même qui vinn joindre nous même qui fait entrer dans l'évangile là c'est pour nous connaître bon Dieu de passer par le chemin du brisement avec nous. Il y a des bagages qui cher, bon Dieu, retirer dans main, non. Il y a des bagages qui étaient précieux pour nous. Il y a des bagages que, qui étaient en pile valeur pour nous, qui étaient importants pour nous. Bon Dieu, retirer, yo, afin que les cabres nous vivent sans, yo. Il y a des gens, bon Dieu, retirer, bon côté, yo. Peut-être, je vous dis, oh, bah, peut-être, au problème, ou pas contre, pour qui raison. Mais, puis devant, on va comprendre que, pas rien, bon Dieu, fait, c'est pour mal, non. Pas rien, bon Dieu, fait, c'est pas pour bien-être, nous le faire, yo. Puis devant nous va comprendre. Mais c'est tête au, c'est pas nous reprocher, bon Dieu, c'est pas nous poser, bon Dieu, question. Mais bah, bon Dieu, gloire, dis bon Dieu, j'en fais le moins d'accord. J'en voulais le moins, je voulais le tout. Parce que c'est bon Dieu qui grand monde, c'est ou même qui petit monde. Les conduits la vie aux gens livrés, et ça fait que, depuis l'on rentre dans l'évangile, la première condition, l'ité bah, il dit renoncer à tête. Ou pas une volonté encore, ou pas une volonté encore. Il fait de où ça, vous voulez, parce qu'on venait en douloureux. Ou venions douloureuse de Dieu, ou venions esclaves de Dieu. Bon Dieu, il y a droit pour le faire saluer avec vous. C'est ça qui fait que, depuis dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est condition numéro 1. Le Seigneur bail pour tout le monde qui voulait suivre. Ou pas d'accord, pas suivre. Mais les bois suivre, renoncer à tête, lui fait salver avec eux. Ou pas une personnalité, ou défendre encore. C'est lui-même qui connaît comment la conduire, comment la faire. Rêve yo par au-dessus de sa volonté. Plan yo par au-dessus de sa volonté. Tout rêve ou tout plan yo, yo vin en bas volonté li. C'est volonté qui priorité. C'est volonté C'est lui-même qui avant toute chose. Mais c'est tête. Nous prenons devant le Seigneur. Sou ka met à genoux. Sou ka pleurer devant le Seigneur. Il va avoir force. Parce que m'gonne gen moun, bon Dieu saintré li. M'gonne gen moun, bon Dieu prigeré li. M'gonne gen moun, li gen combien de temps la prière sans réponse devant bon Dieu. Bon Dieu a brisé li. C'est bon Dieu qui fait le consacre, oui. Ah ben, tête au problème. Seulement, m'en délire force pour pas perdre la foi. M'en délire force pour pas décourager, pour pas parler mal. Même Jacques, les enfants d'Israël, oh, qui parlent mal en pile, ils disent, pour ça l'éternel pas touiller nous. Pour ça l'éternel pas touiller nous, que nous venons mourir là. Eh bien, souvent, moi, avec eux, nous parlons mal, oui, ça nous pas rendre compte des fois. Nous expliquer moun, nous parler. Nous relais moun dans le téléphone, moun nous pas doué relais pour expliquer problème, nous, ça nous gagne. Mais attendez, si c'est mes bon Dieu qui sont la forme ou la pestoué, c'est force pour moi de bon Dieu, oui. C'est bon Dieu l'ouvre les oreilles pour tendre ça, le dire, ou il faut apprendre, faut être pas dû la caille, bon Dieu. Faut apprendre. Amen. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu tout-puissant, honneur, gloire à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Nous bénissons, nous exaltons, nous saluons Dieu. Nous te remercions pour la suprématie ou gagnant sur la vie. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que c'est vous qui grand monde. Nous-mêmes, nous sommes petits monde. Vous allez où l'ancien des jours. Oh Seigneur, tu as parlé avec Job dans la tempête là. Vous avez dit Job, dans Job chapitre 38, où dit Job, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Des fois, bon Dieu, permet une situation arriver, non? Bon Dieu, nous parler mal, nous dit ça, nous pas doué dit. Père, nous demandons pardon d'abord, parce que, qu'on a brisé nos bon Dieu, nous penser c'est l'autre bagaille, mais Dieu nous pas l'ouvrir pour nous laisser mains qui sous nous. Même j'en pourrais le rappeler les enfants d'Israël, ça, pour faire le connaître que c'est pas de circonstance qui te fait le grand goût, qui te fait le soif, mais c'est ou même, qui te appagit dans mes temps, yo, dans Deutéronome chapitre 8, où parler ou dit, souviens-toi dans verset 2, hein, où dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dans le verset 3, où dit, Père, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, de la soif, afin qu'il t'ait capable d'éprouver pour le connaître tout ça qui n'a que nous. Seigneur, nous disons merci. Parce que vous choisissez nous pour conduire, nous pour mener nous. Et merci parce que, quand pile dans nous, Seigneur, c'est à travers ce bagage, ça, nous convertir. Nous, Seigneur Dieu, ou avec nous. Nous, Seigneur Dieu, c'est où cap conduire nous, c'est où cap mener nous. Et si ça pas arrivé, Seigneur Dieu, nous pas faire expérience que nous fait avec vous, yo. Quelle dimension nous prend la caille, bon Dieu, nous pas prendre, yo. Parce que Père, oh, Seigneur, et mon nous retirer sous chemin, nous. Même dans l'époque d'Isaïe, Seigneur Dieu, où t'es retiré, Père, très saint. Dans Isaïe, chapitre 6, verset premier, ou pour le parler, Seigneur Dieu, à serviteur Isaïe, oui, Seigneur, pour faire comprendre yon bagay que le pas connaît, yon bagay, Seigneur Dieu, qui t'est caché pour lui, ou pour le révéler lui, Seigneur Dieu, ou pour le révéler lui, oui, Seigneur, des fois, yon bagay ou qui t'est arrivé, nous, c'est pour que, Père très saint, nous capables de prendre une nouvelle dimension, c'est pour que, Seigneur Dieu, nous capables de prendre une nouvelle révélation, même j'en t'ai conduit, Seigneur, serviteur Jean, ou te permettre que le rivet dans l'île de Patmos, ou te permettre que le rivet dans l'île de Patmos, Seigneur Dieu, pour te confier les révélations de l'Apocalypse, Seigneur Dieu. Et c'est de là
il t'a pas faire une nouvelle expérience Seigneur Dieu avec vous parce que il t'a pas le sauver, il t'a pas le sauver, il t'a pas tomber en extase. Souvent bon Dieu, vous voulez parler avec nous, c'est en dans situation yo au passé pour parler avec nous. Des fois qu'on voulait monter volume nous Seigneur Dieu, c'est à travers un bagage ou permettre qui river pour que Seigneur Dieu genou nous yo font déposer par terre. Des fois bon Dieu, oh nous prier mais sans réponse. Ou regarder dimension nous, ou regarder est-ce que n'a pas abandonné la foi, est-ce que n'a pas quitté ça, est-ce que bon Dieu n'a pas parlé mal. Oui, des fois oui prouver nous comme ça Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, même j'ont fait silence dans famine Abraham dans bon Dieu, ou pas parler rien, ou pas dire rien avec Abraham Seigneur Dieu jusqu'à ce que Abraham pour mauvaise décision pour te descendre en Égypte pendant que Abraham connaît très bien c'est au même qui te relève et famine dans Seigneur Dieu tes bon plan, mais Abraham pas qu'à comprendre ça Seigneur Dieu, ou t'es besoin de tester pour ça qui n'a que lui. Oui Seigneur, pour qui ça qui dans cœur bon Dieu jusqu'à ce que Père très saint ou pral ou révéler serviteur Abraham que il était mal agi bon Dieu parce que dans circonstance li t'est entré tête li là bon Dieu li péché contre tout même de même aussi Seigneur Dieu Jean ou gain compassion ou gain grâce en abondance ou te fait serviteur Isaïe. Isaïe te vive expérience ça Seigneur Dieu après la mort du roi Ozias. On t'a retiré, Seigneur Dieu. Oui, on t'a retiré Ézéchias. On t'a retiré Ozias, Seigneur Dieu, sous chemin, là, afin que le cap ait une nouvelle dimension. Et dans Isaïe, chapitre 6, là, Seigneur Dieu, serviteur, serviteur Isaïe, bral dit, Père, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône, oh, un trône élevé, il est pendu sa robe, et bral vive une expérience après la mort du roi Ozias, parce qu'on t'a retiré Ozias, sous chemin, les bon Dieu, pour t'es capable de comprendre dimension, pour t'es capable de comprendre Seigneur Dieu, eh bien, dans quelle dimension on servir avec lui, parce que les magas n'ont pas arrivé, mon Dieu, les magas n'ont pas arrivé les noms. Et ça fait bon Dieu, nous baou gloire, nous baou honneur, quel que soit sacrivé nous connaissons pour bien nous, et ou dit nous ça, dans Romains chapitre 8, verset 28, ou dit nous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, puisque nous aimons, toute bagaille c'est pour bien nous, c'est pour bien nous. T'as pris Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Dieu de toute éternité, continue à faire nous comprendre volonté, continue à quitter nous marcher avec vous pour la gloire de ton Saint-Nom, que mes mains nous t'en prient, quitter nos baisser les bras, mais accompagner nos sous chemin et faire nous connaître, Seigneur Dieu. C'est normal pour conduire nous, c'est normal pour instruire nous, parce que on fait de nous des vases d'honneur, on fait de nous des vases qu'on va utiliser pour la gloire de ton Saint-Nom. T'en prie, bon Dieu, pas quitter nous parler mal, pas dire nous, pas quitter nous dire n'importe vieille bagarre à bouche, non, bon Dieu, pas quitter nous plaigner sous chemin, dans brisement, pas quitter nous plaigner, mais fais nous grâce pour nous sourire, fais nous grâce pour nous barre gloire, pour nous barre honneur que vous-même seul mérité, parce que bon Dieu, on va utiliser personne. Qu'on pas former, ou pas utiliser personne, qu'on pas instruire, ou pas utiliser personne, mon Dieu, qu'on pas briser d'abord. Seigneur, fais-nous grâce, t'en prie, pour nous comprendre ça. Fais-nous grâce, t'en prie, pour les yeux nous l'ouvrir. Fais-nous grâce pour nous vivre brisement, avec cœur content, avec joie. S'il t'en prie, Seigneur Dieu, pas quitter nos penchés. Fais-nous grâce, pas quitter nous courir pour brisement. T'en prie, mon Dieu, fais-nous grâce pour nous comprendre ça. Ben nous consolation et ben nous force. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ces prières nous devons, Père, pas parce que nous bons ni nous dignes, ni nous qu'on prie bien, et que nous pas qu'on prie, bon Dieu, mais par pouvoir Saint-Esprit, Père, par des soupirs inexprimables, on va intercéder et ajouter ça qui manquait pour nous, on va faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen.
Amen. Bien, bien aimé dans le Seigneur et amis des gens de la radio Parole de Vérité, c'est ce note ça, nous mettons fin dans l'émission jeudi. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait route avec vous. C'était moi-même, Frère Bigo Luxonner, qui t'a présenté l'émission ça. Depuis Haïti, dans le studio 4 là, on a rencontré lundi, si je veux, pour notre émission. Capable les moins dans 47 19 52 30. Si toutefois, vous avez une question ou bien vous avez besoin. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrivons à l'heure pour nous aller, amis auditeurs, bien-aimés de la radio Parole de Vérité. Merci pour écoute et fidélité à l'émission Kadosh qui fête chaque soir du lundi au vendredi. Donc, on connaît jeudi à ce vendredi. Nous avons une émission spéciale et nous n'avons pas de possibilité pour nous entrer dans l'étude que nous gagnons sur la fin des temps. Donc, ça fait deux émissions spéciales que nous gagnons pendant la fin de semaine. Nous disons bon Dieu merci, nous avons rendez-vous pour lundi si je veux. Et un merci spécial pour toutes les amies qui aident nous, qui contribuent, qui permettent que nous qu'aimer travail ça jusqu'à cette présente minute, qui aide moi-même, serviteur Frère Bigo, pour nous capables de faire travail ça. Merci encore une fois à tout le monde qui a voué contribution. Donc ça va pour le mois d'octobre. Nous disons bon Dieu merci. Et nous là pour novembre, Dieu voulant. 5 novembre, Dieu voulant, si le Seigneur t'a d'avenir. Nous bon rendez-vous pour lundi, pour l'autre émission encore. Merci à tous les amis auditeurs noyaux, fidèles. Et merci de partager la page de la radio Parole de Vérité. Non pas moi, c'est Frère Bigo. Nous avons rencontré pour l'autre émission encore. Sous ta main, font-y parler avec nous. Au cas où brûler nous, sous 47 19 52 30. 47 19 52 30. Que bon Dieu bénisse. Mon pito gain Jésus, avec la voix de notre sœur Yannick Richer. Mon pito gain Jésus, passez gros la joie. Mon pito bali. C'est plus belle caille, plutôt l'iguider, moins dans toute la caille, bagaille. Moins plutôt passez vanité, moi plutôt fidèle pour les m'appeluter, moi plutôt gain Jésus, passez.